la plus en vue de la transition militaire qui s'installe à la tête du Tchad, le général des corps d'armée, Mohamed Idriss Déby, 37 ans, assume désormais cette lourde responsabilité. De fait, en présidant le conseil militaire de la transition qui a pris les rênes du pays à la suite du décès du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Le général des corps d'armée, Mohamed Idriss Déby, pour ainsi dire, est l'incarnation du dynamisme de l'armée nationale tchadienne qui a rajeuni ses rangs et s'est professionnalisé grâce à l'audacieuse réforme menée de main de maître par son chef suprême, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, qui, de son vivant, a remué ciel et terre pour doter son pays d'une armée véritablement nationale, une armée qui fait aujourd'hui la fierté de l'Afrique. Le général Mohamed Idriss Déby n'est pas un inconnu des Tchadiens. Né le 1er janvier 1984, il a commencé sa carrière entièrement militaire à l'école des officiers interarmées, GEMIA. Il a très vite tapé dans l'œil de ses supérieurs. Il s'est vu confier des responsabilités dès son jeune âge, d'abord conseiller, puis commandant dans plusieurs groupements de la garde présidentielle. Le lieutenant qu'il est à titre d'école a été successivement promu au grade de chef de bataillon, lieutenant-colonel, colonel, puis général de brigade, avant d'être nommé général de division en 2015. Une année auparavant, il est nommé directeur général des services de sécurité des institutions de l'État, des GSUE. Des étoiles supplémentaires se sont ajoutées sur ses galons en 2018 lorsqu'il a été promu au grade de général de corps d'armée. L'homme, malgré son jeune âge, a gravi tous les échelons pour être l'une des références du dispositif sécuritaire au Tchad. Le général de corps d'armée, Mohamed Idriss Déby, s'est très vite démarqué par son dynamisme. Les théâtres des opérations militaires n'ont plus de secret pour lui. Le massif de l'Adrar, des Ifogas, a été le témoin de la bravoure et de la témérité de ce jeune officier qui s'est révélé aux yeux du monde. Le commandant en second des forces armées tchadiennes en intervention au Mali Fatim, qu'il était, a fait étalage de son savoir-faire militaire. Cité dans l'ordre de la nation tchadienne avec palme d'or, l'homme est réservé une retenue qui cache des qualités humaines exceptionnelles. Ses frères d'armes lui reconnaissent un sens élevé des responsabilités, un officier républicain doué, un soldat patriote qui sait s'acquitter de sa mission, quelle que soit son envergure. C'est sûrement ces qualités qui ont pesé au sein du conseil militaire au moment du choix sur la personne à même de conduire aux destinées du Tchad dans ces contextes où il fait face à plusieurs menaces terroristes et sécuritaires. Tout naturellement, le choix est porté sur lui au regard de son parcours, son dévouement à la patrie et pour la nation tchadienne. La capitale tchadienne en état de siège. L'armée y a été déployée après l'annonce du décès du président Idriss Déby Itno. Il venait d'être réélu pour un sixième mandat. Aujourd'hui, le nouvel homme du pays, c'est lui, Mohamed Idriss Déby, le fils du défunt président. Général 4 étoiles et jusqu'alors chef de la garde présidentielle, à 37 ans, le voilà officiellement nommé président de la République par le Conseil militaire de transition. Ce même conseil dont il est à la tête a été instauré après le décès de son père avec une promesse, remettre au pouvoir un gouvernement civil. Nous voudrions rassurer l'opinion que les membres du Conseil militaire de transition vont rendre le pouvoir à un gouvernement civil, à l'issue des élections libres et démocratiques, dans un délai de 18 mois. Après la dissolution du gouvernement et de l'Assemblée, ces promesses du CMT suffiront-elles à rassurer les Tchadiens? La population est encore sous le choc, beaucoup s'interrogent. C'est pas normal. Le président de l'Assemblée est là, donc c'est lui qui doit prendre les choses en main. Mais on confie encore au militaire, donc c'est la suite logique de Idriss Déby, donc je suis contre. C'est en d'autres termes un coup d'État que les gens organisent contre la population. Refusant catégoriquement ce conseil militaire, les rebelles, qui mènent une offensive depuis 10 jours contre le régime tchadien, ont promis de marcher sur N'Djamena. Une menace de conflit qui pousse de nombreux Tchadiens à fuir la capitale. Le président.
président français Emmanuel Macron se rendra aux obsèques d'Idriss Déby, annonce ce matin du porte-parole du gouvernement Gabriel Attal à la sortie du Conseil des ministres. Des obsèques nationales sont annoncées vendredi pour le défunt président tchadien. À N'Djamena, après sa mort et la mise en place d'un conseil militaire de transition, on s'interroge sur l'avenir. Un document intitulé « Charte de la transition », charte qui abrogerait la Constitution, a été publié pendant quelques heures sur le site de la présidence avant d'en être retiré. Des sources proches du conseil militaire de transition expliquent qu'il ne s'agit pas de la bonne version du projet de charte qui lui sera publié incessamment. Du côté de l'opposition, des représentants des principaux partis se sont réunis ce matin à N'Djamena. Aurélie Bazara, vous avez assisté à cette rencontre. Ces représentants de partis politiques dénoncent un coup d'État. Effectivement, le mot est mis sur la table par une trentaine de partis de l'opposition, des petits partis, mais aussi des représentants des poids lourds comme le parti de l'opposance avec les avants ou des transformateurs. Tous parlent d'un coup d'État, car disent-ils, c'est le fils qui succède au père, de surcroît, des hauts gradés. Le rôle des militaires est d'assurer la sécurité aux frontières, ce n'est pas de prendre le pouvoir, a expliqué Mahamat Bichara, le porte-parole de cette coalition. Un coup d'État aussi, car l'Assemblée nationale et la Constitution sont dissoutes. Un couvre-feu instauré, il passe d'ailleurs de 18h à 20h, selon le dernier communiqué du Conseil militaire de transition. Cette opposition demande donc une transition civile et l'ouverture d'un dialogue inclusif. Leur crainte, c'est que Mahamat Idriss Déby ne respecte pas la transition de 18 mois et que l'histoire ne se répète, dit-il. Également sur la table, la demande d'ouverture d'une enquête pour déterminer les circonstances de la mort d'Idriss Déby Itno. Ils remettent en cause la version officielle. A-t-il réellement été blessé par une balle ennemie, s'interroge François Djekombé lors de cette réunion qui a duré une petite heure. Enfin, ils appellent les Tchadiens à ne pas respecter les décisions prises par le Conseil militaire et menacent un soulèvement populaire. Du côté du MPS, on évoque, je cite, une opposition totalement à plat qui cherche à se racheter auprès de la population. Aurélie Bazar en direct de N'Djamena. Incertitude et questions donc dans les rangs de l'opposition sur les circonstances de la mort d'Idriss Déby Itno. Dans l'allocution qu'il a prononcée hier en fin de matinée à la télévision nationale, le porte-parole de l'armée a annoncé que le maréchal président avait succombé hier matin après avoir été blessé au combat. L'opposition, on l'entendait, réclame donc une enquête. Il faut dire, Victor Moria, que de nombreuses questions se posent. Effectivement, Nicolas, puisqu'à l'heure actuelle, il n'existe pas de version officielle et détaillée de la mort d'Idriss Déby. Le flou règne encore sur les circonstances exactes de son décès. L'armée, vous l'avez dit, affirme qu'il serait mort suite à une blessure contractée au Nord Kanem en affrontant les rebelles du FACT, mais elle ne donne pas plus de précisions. À partir de là, plusieurs versions s'opposent sur la date de la mort. Par exemple, dans un récit publié hier, nos confrères de Jeune Afrique écrivent que le maréchal aurait été touché dimanche après-midi en combattant une colonne du FACT. Il serait ensuite décédé dans la soirée. Selon nos informations, des combats ont effectivement eu lieu le dimanche dans la journée, mais les affrontements les plus durs ont eu lieu le soir. D'autres sources plus rares expliquent que le dernier combat d'Idriss Déby a eu lieu le lendemain, lundi. C'est notamment ce qu'affirme le FACT, les rebelles directement impliqués dans le conflit. Mais il est difficile de savoir qui était vraiment présent au moment de la mort du maréchal, tant la situation sur le terrain était confuse. Sur la cause de la mort, Jeune Afrique parle d'une blessure par balle à la poitrine, une information que nous n'avons pour le moment pas pu vérifier. Parmi toutes les hypothèses entendues, celle qui revient le plus, bien qu'encore incomplète, reste celle qui affirme que la mort du maréchal a eu lieu au combat. Évidemment, d'autres rumeurs circulent, mais aucune information solide ni aucune prise de parole n'est encore venue les étayer. On l'entend depuis hier matin sur notre antenne, la mort d'Idriss Déby a provoqué une avalanche de réactions en Afrique. Ce matin, la Mauritanie salue les efforts d'Idriss Déby pour instaurer la stabilité et la sécurité au Sahel. Nouakchott dit également son attachement à la coopération régionale pour faire prévaloir le respect de la légalité constitutionnelle. Hier, le Mali, où Idriss Déby avait envoyé de nombreux soldats dans la lutte contre le djihadisme, tant au sein de la MINUSMA que de la force du G5 Sahel, le Mali a décrété 3 jours de deuil. Kaourou Magassa, tous les drapeaux sont en berne pour saluer la mémoire d'un partenaire stratégique. Pour les Maliens, les Tchadiens ont sous l'impulsion d'Idriss Déby Itno payé le prix du sang pour venir en aide à leur pays. Dès 2013, des troupes tchadiennes sont intervenues aux côtés de la France pour combattre les terroristes qui contrôlaient les villes du nord du Mali.
Plus récemment, le 2 avril dernier, les soldats tchadiens ont énergiquement repoussé une attaque du camp des Nations Unies d'Aguelok. Quatre des leurs y perdront la vie contre une quarantaine de terroristes selon l'ONU. Avec près de 1500 soldats présents au sein de la mission de stabilisation des Nations Unies, la MINUSMA, le Tchad est le second plus gros pourvoyeur de militaires au sein de l'organisation. Si l'on ajoute la présence dans le Gourma d'un bataillon dans le cadre du G5 Sahel, la contribution du Tchad soulage fortement le Mali dans la sécurisation et la défense de l'intégrité de son territoire. La mort d'Idriss Déby Itno, officiellement survenu en opération, est donc un choc. Unanimement saluée par des hommages appuyés des autorités et des populations, elle est considérée comme une lourde perte. De ce fait, l'évolution de la situation interne au Tchad est source d'inquiétude ici à Bamako. Selon plusieurs observateurs, ce décès plonge le Tchad dans l'incertitude, ce qui pourrait causer une réduction de l'engagement tchadien au Mali. Kaourou Magassa, Bamako, RFI. Un coup dur également pour la France, fidèle allié d'Idriss Déby. Dès l'annonce de sa mort, l'Elysée a salué hier un ami courageux. Emmanuel Macron devrait donc d'ailleurs se rendre aux obsèques. Le chef de la diplomatie, Jean-Yves Le Drian, prend acte de son côté de la mise en place du Conseil militaire de transition, mais il souhaite une transition limitée qui conduise à un gouvernement civil et inclusive. La ministre française des Armées, Florence Parly, affirme pour sa part que la France perd un allié essentiel dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Réaction également de l'ancien président français François Hollande qui salue un ami loyal et un fin analyste. Et je dois dire, moi, ce qui m'avait impressionné, c'est pas son côté guerrier, c'est surtout son côté très politique. C'est-à-dire qu'il était un très fin analyste de la situation. Il n'ignorait rien de son accession au pouvoir, des conditions par lesquelles il s'était maintenu, mais c'était un partenaire et il était loyal. C'est-à-dire ce qu'il disait, il le faisait. C'était aussi, je le voyais dans les réunions avec les chefs d'État africains, un homme intelligent, lucide, conscient de la responsabilité qui pouvait être la sienne et aussi celle des chefs d'État africains. Je dois dire que ses analyses étaient profondes. Je l'avais notamment compris aussi en Centrafrique. Ses informations étaient fiables. Il était, Idriss Déby, un acteur important. Quand on faisait appel au Tchad, le Tchad était là. François Hollande, joint par Pierre Firsion, entretien avec l'ancien président français à retrouver sur notre site internet ainsi que tous nos invités, analyses et éditions spéciales. Et dans... Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.